Bonjour et bienvenue dans l'ETBO. Aujourd'hui, nous sommes à Audierne et nous partons à la découverte du patrimoine du Cap Sizun et de la Pointe du Raz, mêlé à des créations contemporaines, comme la sculpture qu'il y a derrière moi. Le festival s'appelle Art à la Pointe et c'est jusqu'au jeudi 27 août. Avant d'en rencontrer le directeur artistique, jetons un coup d'œil sur l'actualité. 1,389 €, c'est le prix auquel s'est négocié le kilo de porc au marché au cadran de Plérin ce mardi. En début de journée, l'inquiétude était palpable. Réunion à huis clos, début de cotation avec 1h30 de retard. C'est aussi l'occasion pour les représentants des organisations professionnelles de revenir sur les principales revendications abordées la veille au ministère de l'Agriculture. Les principales initiatives collectives que l'on peut avoir, c'est quand même les mesures que le gouvernement doit prendre sur le social et le fiscal. Si on fait ça, on aura toujours des problèmes, mais on arrivera à les régler entre nous, producteurs et abatteurs. Au kilo de porc, ce serait de l'ordre de 15 centimes. 15 centimes du kilo, qui serait dans la poche des abattoirs ou dans celle des éleveurs. Peut-être moitié-moitié, j'en sais pas, ça ne dépend de l'offre et la demande. Cette cotation est cruciale. L'objectif de la vente est aujourd'hui d'éviter la contagion et de voir d'autres acheteurs quitter le marché. Parce que très honnêtement, aujourd'hui, quand il en manque deux, le risque, c'est d'en voir d'autres déguerpir et quitter le marché. Ce qui aurait pour issue la disparition et du cadran. Durant plus de 2 heures, 50 000 porcs sont mis en vente. 4 des 6 acheteurs sont présents. Manque à l'appel une nouvelle fois Bigard et la Coperle. À l'issue de la cotation, 34 000 porcs trouvent preneur et 16 000 restent sur les bras des agriculteurs. Comme le règlement nous le permet, nous allons les affecter en fonction des quotas historiques de Bigard, de Coperle, les affecter à ces deux entreprises. Charge à eux de nous répondre. Et s'ils répondent encore par la négative, donc ils sont à nouveau hors règlement. Donc ça nous pose réellement un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs et des éleveuses qui sont dans leurs élevages et dans leurs porcheries à gérer des choses totalement ingérables pour les jours qui viennent. C'est une prise d'otage organisée, sciemment calculée. Nous ne pouvons pas l'accepter. 1,389 €, c'est 1,5 centimes de moins que le prix fixé par le gouvernement. 10 jours après les dernières cotations et à l'absence des industriels Bigard et Coperle, cette vente est un mauvais signal à destination des éleveurs. La cotation reprendra jeudi avec 90 000 porcs. La 18e édition du Paris-Brest-Paris a débuté dimanche après-midi et après déjà 2 nuits dehors, Brest a vu débouler une grande masse de cyclistes ce mardi matin. Pointage, douche, repas et repos, la pause est plus que méritée après 600 km de course. Pour les vélos aussi. Il y a des très très beaux vélos, très haut de gamme, comme les coureurs cyclistes. Il y a aussi des très vieux vélos, des VTT, il y a vraiment de tout dans tous les états. Il y a même des gens qui partent avec des vélos déjà usés, donc arrivés ici, ils sont encore plus usés. Donc on est là pour essayer de les faire repartir jusqu'à Paris. Une diversité dans la course qui se retrouve surtout chez les participants. Sur les 6000 coureurs, seuls 2000, comme Dominique, sont de nationalité française. C'est un événement quand même, ce Paris-Brest-Paris. Il y a des gens qui l'ont fait au club et ça donne envie de... un défi. Un défi avec un fort accent international. En tout, plus de 60 nationalités sont présentes sur la course. Car la réputation du Paris-Brest-Paris n'est plus à faire. Il s'agit de la référence. La Paris-Brest est vraiment très spéciale pour les gens qui aiment faire de la route, avec une atmosphère que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. 600 km dans un sens, 600 km dans l'autre, 1200 km au total, c'est vraiment l'une des plus grandes célébrations du cyclotourisme dans le monde. En 2011, deux de mes amis sont venus faire cette course et ils m'ont dit à quel point c'était une belle aventure. Alors j'ai aussi voulu la faire. J'ai décidé de me marier et j'ai fait cette course pour lui prouver mon amour. Je n'étais jamais venu en Europe. Les gens m'ont dit que c'était la meilleure façon de découvrir le pays. Alors j'ai repoussé mes limites. Quelle meilleure façon de découvrir la France que sur deux roues ? Mais une expérience qui a un prix. Lors de la dernière édition, en 2011, plus d'un tiers des participants n'avaient pas réussi à franchir la ligne d'arrivée. Fanfare, concert de piano délirant, le Sonophore, installé place François Mitterrand à Quimper, voit passer de drôles de musiciens cette semaine. Je joue le bandoneon et je fais des créations pour bandoneon et musique électronique et aussi des installations sonores. Un duo à quatre mains s'y amuse aussi tous les jours dans un mélange de danse contemporaine et de musique classique.
J'ai quand même un peu souffert d'avoir une étiquette collée pianiste, alors que j'avais envie de pouvoir faire aussi d'autres choses. Et donc c'était l'occasion de, par un spectacle où on raconte quelque chose, de mélanger la danse, le chant, le piano, un petit peu le théâtre. C'est la 37e édition des Semaines musicales à Quimper et pour l'occasion, elles ont fait peau neuve. Traditionnellement festival de musique classique, la programmation se diversifie. On va de la musique baroque à la musique classique, à la musique romantique, moderne, contemporaine, avec un grand soutien à la création. Nous avons fait deux commandes cette année à Régis Campo et Christian Loba, deux créations donc mondiales qui se sont données au théâtre Max Jacob mardi dernier. Contes musicaux, ateliers d'initiation, les enfants sont chouchoutés cette année. Le festival est d'ailleurs victime de son succès. Pour les activités en journée, les bénévoles ont dû refuser du monde. Les enfants de ce centre aéré quimpérois, eux, ont l'air de particulièrement s'intéresser à la batterie. À la batterie d'une drôle de fanfare, les Repris de Justesse, venus de Brest pour l'occasion. Et on a notre place dans la rue, parce que bon, c'est vrai que les instrumentistes classiques sont très doués, qui travaillent énormément, plus que nous, je suppose, parce que c'est quand même une addiction, l'instrument. On ne peut pas travailler dans la rue, surtout en déambulation. Ça doit exister, mais on n'en a pas vu beaucoup. Les semaines musicales continuent à Quimper jusqu'à ce jeudi soir et le programme est à retrouver sur le site internet de l'événement. Nous sommes maintenant au-dessus des Halles à Audierne en compagnie du directeur artistique du circuit d'art contemporain du festival Art à la Pointe, Yvain Bornibus, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans un lieu bien particulier comme tous les lieux de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est son concept ? Le concept du festival, c'est d'associer des lieux patrimoniaux du Cap-Sizun avec des expositions d'art contemporain. Mais ces lieux patrimoniaux peuvent être très divers, comme ici, c'est un ancien lieu commercial, puisqu'on est au-dessus des Halles, et avant ça faisait partie, ça accueillait des commerces des Halles, et depuis plusieurs années, c'est un lieu qui a été transformé en une très belle salle d'exposition par la mairie d'Audierne, et qui vit toute l'année grâce à une association, ARIA, qui fait des expositions régulières d'art contemporain et qui nous le confie tous les étés pour les manifestations d'art à la pointe. Alors, il n'y a pas que des lieux comme ça, il y a aussi des chapelles, des phares, on ira d'ailleurs à l'heure. Et concernant le thème du festival, cette année, c'est Notre Monde. Comment vous avez choisi ce thème ? On est dans un cycle thématique où on essaye à chaque fois de donner des clés aux spectateurs, aux visiteurs, aux regardeurs, pour rentrer en contact avec les œuvres d'art d'un point de vue particulier, en attirant l'attention sur ce que les œuvres d'art plastique ont de spécifique par rapport à d'autres disciplines. En l'occurrence, Notre Monde écrit AUTRE, c'est pour attirer l'attention du visiteur sur le fait que les plasticiens ont cette capacité de créer leur propre univers. C'est pour ça, entre autres, qu'on les appelle des créateurs, souvent, hein. Et donc voilà, c'était pour que le public voit que, à la fois du point de vue imaginaire, mais aussi du point de vue du regard qu'il porte sur notre monde à nous, les créations des artistes enrichissent notre monde. Voilà. On peut voir ici un échantillon assez représentatif du festival, parce que dans les Halles se joue un prix du festival Art à la Pointe. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Là, on a un panorama des disciplines. Et les artistes qui ont été sélectionnés pour être candidats l'ont été par une commission de bénévoles, à partir de plusieurs dizaines de dossiers qui sont une sélection de ce qu'on reçoit tous les ans dans nos appels à projets. Et donc, le prix du public s'ajoutera à celui qui sera désigné par un jury professionnel qui est présidé entre autres par Françoise Danielle Théré, qui est la présidente du Centre d'art Passerelle à Brest. Comment on peut départager des artistes qui font de la sculpture, d'autres de la photographie, de la peinture ? Ça doit être assez compliqué, non ? Il ne s'agit pas de départager, c'est chacun avec lui-même, c'est le propre d'ailleurs des arts plastiques, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, mais en même temps à chacun dans ce qu'on a d'intime et de personnel. Merci beaucoup Yvain Bornibus. Nous allons maintenant nous diriger vers la maison phare du Millet, à la rencontre de Marie-Claire Garnier, qui fait du tissage contemporain. Thank you.
Bonjour Marie-Claire Garnier. Alors, vous exposez vos créations contemporaines au Phare du Millet. Vous, vous travaillez sur un support bien particulier, ça s'appelle le tissage contemporain. Alors, comment on allie un art traditionnel à l'art contemporain ? Eh bien, écoutez, c'est une réflexion, c'est une recherche. Parce que dans le textile aujourd'hui, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et mon vœu le plus cher était de travailler sur la transparence. Donc j'ai créé ce support, je l'ai pris, le plastique, mais j'ai travaillé aussi avec des matériaux industriels, c'est-à-dire des cordons de soudure, qui eux sont tissés, et eux servent d'habitude à souder des plaques de lino ensemble. Voilà. Alors là, on est dans le Phare du Millet, c'est un lieu que vous connaissiez déjà avant d'y exposer. Est-ce que ce lieu particulier vous a inspiré dans votre création ? Ah oui, je connais bien le Phare du Millet puisque j'habite Plogoff. Mais je suis venue, quand j'ai su que j'allais exposer dans ce lieu, je suis venue m'en inspirer, l'observer, voir l'intérieur, l'extérieur, la terre, la mer. Vraiment m'en inspirer à fond pour pouvoir l'investir, mais pas surtout trop l'investir. C'est-à-dire que lui existe aussi dans son intimité. C'est important pour vous, en tant qu'artiste, de laisser vivre le lieu aussi. Le lieu fait partie de la création ? Ah oui, c'est la deuxième création d'artiste. Et quelle est la pièce que vous avez créée après ces observations ? Alors j'ai créé cette pièce. Toutes les pièces, je les ai appelées dialogues. Ça veut bien dire que le respect avec le lieu. Donc c'est cette pièce que j'ai créée en observation avec la mer, les vagues, la transparence des vagues. J'ai d'autres pièces ici dans le lieu qui, elles, parlent plus de la lumière. D'autres qui parlent des laisses de mer, qui sont en bas dans la petite plage qu'on voit deux fois par jour, quand on a la chance de les voir deux fois par jour. Mais cette pièce, c'est vraiment celle qui m'a été inspirée d'abord dans les nuances de bleu, et puis aussi dans le mouvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvement dans cette pièce. Comment elle est créée ? Mais écoutez, d'abord, je fais une maquette, je fais un dessin, après une maquette. Et sur cette maquette, je fais le dessin de mes entailles, parce qu'en fait, mon plastique devient mon fil de chaîne. Et là, il y a plusieurs, entre 700 et 800 entailles. Donc, deux petites découpes, et je prends ces découpes, et après, je tisse au point de tapis, qui est vraiment la méthode la plus classique de tissage. Alors, en fond, là, on entend un fond sonore. Qu'est-ce que c'est que ce fond sonore ? Eh bien, ce fond sonore a été capté ici, en résonance avec ce lieu, a été capté au mois de juin, un jour de tempête. Merci beaucoup Marie-Claire Garnier de nous avoir parlé de votre travail. Nous allons maintenant laisser les visiteurs découvrir ce lieu. Le festival Art à la Pointe, c'est jusqu'au jeudi 27 août et ça n'est pas seulement centré sur les arts graphiques. Il y a aussi des concerts de musique classique et de jazz. Programme à retrouver sur le site internet artalapointe.com. Les TBO, c'est terminé pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous demain à 19h30.